Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce, la bonne nouvelle, la prédestination des huiles de Dieu au salut. Je ne me lasse point de vous enseigner, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Nous parlerons encore d'élection, la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Je veux, pour ma part, m'évertuer ce matin à recentrer les débats vers les choses fondamentales. Hein, on va laisser de côté les définitions et les paroles multiples autour de l'élection de la grâce, la prédestination des huiles de Dieu au salut, les polémiques qui ne contribuent qu'à la ruine de ceux qui suivent les discutants. Je veux ce matin résumer les notions d'élection de la grâce et de prédestination des huiles de Dieu au salut en une seule phrase. C'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qui est fondamental dans l'affaire. Lorsqu'on parle de prédestination dans le cadre de l'élection du salut de l'homme, voilà, donc dans le cadre de l'élection, la grâce, la prédestination des huiles de Dieu au salut, ça veut simplement dire que Dieu fait le don de la foi, en fait, à certaines personnes qui sont ses élus, qui sont ses héritiers, d'accord? Qui est donc leur privilège exclusif, de façon à les équiper et à les outiller pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit, l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, Dieu seul est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce don de la foi, privilège de certains. C'est tout. Ça ne change rien à la suite. Alors, il les distingue donc de leurs semblables, dont ils n'étaient point plus excellents dans leur mort spirituelle. D'accord? Il les en distingue par le don de la foi, de façon à ce que, à l'écoute de sa parole, contrairement au monde qui endurcit, qui endurcit, son cœur, eux, ils seront attentifs et ils accueilleront la parole de Dieu avec joie et empressement. Et ils seront zélés pour les bonnes œuvres. D'accord? Dans la conférence de ce matin, je l'ai donc intitulée La foi, un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. La foi à salut, dirons-nous, pour éviter toute confusion avec la fausse foi, la foi des hypocrites. Donc, la foi à salut, un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Chers frères et sœurs, la sainte doctrine biblique de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, fondamentalement, peut se résumer dans cette phrase capitale unique. Savoir, la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Donc la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. On peut résumer l'élection, la grâce, la prédestination en cela. C'est ça le cœur de l'élection, la grâce, la prédestination. C'est ça qui distingue les élus de Dieu du monde des réprouvés. Donc la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2:8. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, selon qu'il est écrit. Ne murmurez pas entre vous, dit le Seigneur Jésus-Christ, aux Juifs, qui faisaient entendre une sourde protestation, des commentaires désobligeants, lorsqu'il disait qu'il est le pain, de Dieu qui est descendu du ciel. Ils ne croyaient pas, ils protestaient, ils le chahutaient. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ne murmurez pas entre vous,
dit le Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Hein? Jean 6, 43, 65. Donc, arrêtez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. En effet, chers frères et sœurs, explique l'apôtre Jean, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Vous entendez ça? Voilà leur préoccupation. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je vous ai dit que je suis le Christ, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. D'accord? Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, vous n'êtes pas du nombre des élus de Dieu. Comment se comportent les élus de Dieu? Mes brebis entendent ma voix. Elles écoutent ma parole, à l'écoute de ma parole. Elles me suivent parce qu'elles ont la foi. Donc mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Donc à l'écoute de ma parole, mes brebis que je connais me suivent. Les élus de Dieu me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, chers frères et sœurs, les Juifs, écrit l'apôtre Jean, prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Chose étonnante, ils prétendent, dans la méchanceté de leur cœur, dans leur mort spirituelle, privés du don de l'esprit, privés du don de la foi, hein, qu'ils veulent savoir qui est Jésus. Hein, s'il est le Christ, qu'ils le leur disent franchement, qu'ils ne tiennent plus leur cœur en suspense. Eux, ils attendent le Christ et ils sont prêts à l'adorer. C'est ce qu'ils déclarent de leur bouche, mais dans leur cœur, c'est autre chose. Et lorsque le Seigneur Christ leur révèle son identité, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de le lapider. Il dira donc, ne murmurez pas entre vous. Arrêtez de murmurer entre vous. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'était leur cas. Ils n'avaient pas été attirés par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Cela ne leur avait pas été donné par le Père. C'est ce qui explique leur réaction dans leur mort spirituelle. Donc alors, chers frères et sœurs, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, hein, qui es homme, tu te fais Dieu. Dans l'épisode du pain de vie, hein, il disait même, comment dit-il qu'il est descendu du ciel? N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, hein, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Sidon dont nous connaissons, je ne sais pas quoi, le frère, la sœur. Voilà ce qu'il disait. Privés de l'esprit, privés du don de la foi, hein, ils ne peuvent croire. Jésus leur dit,
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, chers frères et sœurs, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Selon qu'il est écrit, un homme dira, Jean le Baptiste ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chers frères et sœurs, la Bible en français courant est plus explicite encore selon qu'il est écrit. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Et ça, c'est la traduction de la Bible en français courant. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Donc, il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. C'était leur cas. Il ironise, il se moque d'eux dans sa réponse. La Bible, parole de vie, pousse l'ironie jusqu'à dire, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. C'était le cas. D'accord? Par le moyen du don de la foi. Et la Bible du semeur pousse la hardiesse jusqu'à dire, aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Donc personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Manifestement, il était en train de leur dire qu'il n'était pas du nombre de ses brebis, il n'était pas du nombre des élus de Dieu, il n'était pas du nombre des héritiers de Dieu. Dieu ne leur avait pas fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Dieu ne leur avait pas fait le don de la foi. D'accord? Dieu ne leur avait pas accordé cela. Ce dont il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, mes bien-aimés, rappellera l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, tous n'ont pas la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Il en est parmi vous qui ne croient point, rappela le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6, 64, selon qu'il est écrit. Nous allons prendre Zacharie 12, 1 à 10. Oracle parole d'Éternel sur Israël. En ce jour-là et jamais avant, je répandrai sur la maison de David et les habitants et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël, le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire d'éternel Dieu parmi les nations, ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Tous ne croient pas en Dieu. Pour le moment, ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Privé de l'esprit, privé du don de la foi, privé du don de la foi à salut. Donc, ils tournent encore jusqu'à ce jour le dos au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Jusqu'au temps marqué, parce que ça changera. L'heure vient, comme nous le verrons, en ce jour-là, jamais avant, où il répandra, il déversera son esprit sur eux, il leur fera le don de la foi, ils naîtront de nouveau, ils croiront en lui, ils tourneront les regards vers lui, donc ils auront foi en lui, leur conversion se produira.
Hein? Ils pleureront, leur conversion se produira, ils tourneront vers, le regard vers lui, celui qu'ils ont percé, vers leur roi. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est la repentance. Voyez à quelle heure elle se produit. Et Dieu ne le déverse pas son esprit, ne leur fait pas le don de l'esprit, le don de la foi, pas à cause de leur repentance, hein, donc de leurs bonnes œuvres. Non, la repentance, hein, le don de la foi, le don de l'esprit, le don de la foi, nouvelle naissance, précède la repentance. Vous avez vu les étapes, hein, du mystère du salut. Donc, c'est pourquoi je disais, chers frères et sœurs, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël, par exemple, le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, tourne encore le dos à son roi, Yeshua HaMashiach, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le roi des Juifs, jusqu'au temps marqué selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 11, 25 à 36. Ce sont les propos de l'apôtre Paul. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, plus excellent qu'Israël, qui aujourd'hui est ennemi de l'Évangile, ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'une partie d'Israël à la réalité est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Hein, nous l'avons vu, hein, dans Zacharie 12, 1 à 10. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. L'apôtre Paul explique même qu'ils sont ennemis à cause de nous, à notre honte. Mais en ce qui concerne, il faut d'abord que l'enlèvement de l'Église se produise. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, non à cause d'eux-mêmes. Et ils ne sauraient être aimés à cause d'eux-mêmes, eux qui sont ennemis de l'Évangile, ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Voilà. Hein? Ils ne peuvent être aimés à cause d'eux-mêmes, eux qui régnent le Seigneur Jésus-Christ dans leurs propos, dans leurs œuvres. Si tu régnes le Seigneur, le Seigneur Christ te régnera aussi. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, non à cause d'eux-mêmes. Hein? Eux qui sont ennemis de l'évangile, c'est logique. Car Dieu, chers frères et sœurs, explique l'apôtre Paul, ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même aussi, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Qu'il y a de lui le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses alliées, la gloire dans tous les siècles. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas, écrit l'apôtre Jacques. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, régénérés selon sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté, d'accord? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, chers frères et sœurs, la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. C'est cela qu'il faut entendre par élection de la grâce et prédestination des élus de Dieu au salut et rien d'autre. Ces querelles qui ne servent à rien, si ce n'est à votre perte, à votre ruine. Ce privilège du don de la foi au salut, comme je l'ai dit à l'entame de la conférence, c'est ce privilège du don de la foi à un des élus de Dieu. Hein? Non à cause de leur excellence propre, non à cause de leur mérite, mais selon le propre dessein de Dieu, le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde. Hein? Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile à savoir. Donc, la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Hein? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein? Selon qu'il est écrit, ne murmurez pas entre vous. Arrêtez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par eux, le Père. On a vu la traduction français courant, hein, qui était plus explicite, hein, qui ironisait selon qu'il est écrit. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Hein? Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. Ça, c'est la parole de vie. Et le semeur, personne ne peut venir à moi si cela, hein, ne lui est pas accordé par le Père. Et c'était le cas donc, effectivement, des Juifs, hein, ce jour à Jérusalem, hein, à la fête de la dédicace, hein, lorsque se promenant dans le portique, hein, lorsque se promenant dans le temple sous le portique de Salomon, hein, eux qui entouraient le Seigneur de gloire Jésus-Christ et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Hein? Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, vous n'êtes pas du nombre des élus de Dieu. Contrairement à vous, quelle est l'attitude des élus de Dieu? À l'écoute de ma parole, ils n'endurcissent pas leur cœur, parce que Dieu leur fait le don de la foi. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bonne journée et à la prochaine. Que l'honneur, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Restez connectés sur Ange Mbolo TV. À la prochaine. Soyez bénis.